ces stars qui ont très vite divorcé après leur mariage. Il existe un nombre considérable de stars qui ont divorcé très peu de temps après leur mariage. Certaines en bons termes et d'autres beaucoup moins. Qui sont-elles ? Britney Spears. En janvier 2003, après avoir passé une soirée bien arrosée, Britney et Jason Alexander ont décidé de se marier spontanément à Las Vegas. L'alcool aurait joué un rôle majeur dans cette histoire, puisque le couple a divorcé 55 heures plus tard. Jennifer Lopez. La chanteuse américaine a connu deux mariages express. Un premier en 1997 avec le producteur Ojani Noah, qui s'est terminé 11 mois plus tard. Un second en 2001 avec le danseur Chris Judd, qui a pris fin au bout de 9 mois. Marc Lavoine. Le chanteur a connu une idylle avec Lynn Papin, une romancière âgée de 33 ans de moins que lui. Tous les deux se sont mariés 2 ans après leur rencontre, en 2020, mais se sont finalement séparés 21 mois après. Johnny Hallyday. L'histoire d'amour entre Johnny et la comédienne Adeline Blondiot n'aura vraiment pas été comme les autres. Cette dernière a épousé le défunt rocker en 1990, à l'âge de 19 ans. À l'époque, elle voulait poursuivre ses études, alors que Johnny Hallyday était totalement opposé à cette idée. Ils ont divorcé 2 ans après, mais tous les deux ont décidé de se donner une seconde chance et se sont remariés en 1994. Un an plus tard, ils ont malheureusement divorcé à nouveau. Nicolas Cage. Nicolas Cage nous a fait une Britney. En 2019, après avoir un peu abusé de l'alcool avec sa chérie Erika Koike, il a décidé de l'épouser avant de demander le divorce 3 jours après, expliquant qu'il n'avait pas réalisé ce qu'il faisait à ce moment précis. Pamela Anderson. En ce qui concerne les mariages éphémères, Pamela Anderson bat absolument tous les records. L'actrice s'est mariée en 2006 au musicien Kid Rock, mais a fini par divorcer au bout de 4 mois seulement. En 2007, elle a épousé le producteur Rick Salomon avant de se séparer de lui 2 mois plus tard. En janvier 2014, ils se marient une nouvelle fois, mais divorcent 6 mois après. En 2020, elle avait dit oui au producteur John Peters. À la surprise générale, elle a annoncé leur séparation 12 jours plus tard. Kim Kardashian. Kim a épousé le basketteur Chris Humphries en 2011, mais le couple a finalement divorcé 72 jours après à cause de différends irréconciliables. Colin Farrell. En 2001, l'acteur a connu un mariage de 4 mois seulement avec l'actrice Amalia Warner. Rudolph Valentino. L'acteur italien détient la palme d'or de l'un des mariages les plus rapides. En 1919, son union avec l'actrice Jean Acker a en effet duré 6 heures,